As you all know, it's been 33 years of the CCC, and the debate on technology and politics has held a special place. Our first talk today is called Der 33 Jahre Rückblick, and it will be quite meta, as it will backtrack through the titles and abstracts from 1984 to today, analyze apparent patterns and turning points in the subject. To do so, we have Maxi Grass, who has a PhD, 4 master's degrees, and 3 bachelor degrees. He is... Bonjour, bienvenue sur le canal de traduction de cette conférence sur le 33e Jahresrückblick, donc ou Jahresrückblick, donc réalisé par Corfury, bonjour, et Ron Feist, vos traducteurs pour cette présentation. Comme la traduction française est en bêta, nous vous demanderons de partager avec nous vos remarques sur la traduction, sur le compte Twitter hashtag C3T ou par mail hello@c3lingo.org. Merci. Donc, c'est un projet que nous avons commencé il y a quelques années. L'idée, c'était de regarder, de mettre en relation la politique en rapport avec le Congrès. C'est une sorte de méta-talk. Pourquoi on était intéressé par cette question? C'est bien sûr parce qu'il n'y a jamais de débat vert au sein du Congrès avec les techies hardcore. Quel type de politique devrait être présente au Congrès? Quel est le contenu technique intéressant qui devrait être présenté? Et en même temps, ce sont des questions scientifico-sociales qui sont importantes entre la relation entre la société et la politique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu jusqu'au début et on a regardé les titres de toutes les sessions et on a essayé de les catégoriser et de vous montrer ça. Et dans... On a travaillé sur pas mal d'archives et on aimerait partager avec vous une vidéo qui documente le second congrès de 1986. Chaos Kommunikationskongress 85 in Hamburg. Le congrès du Chaos Communication 85 à Hambourg, la fête des hackers européennes. Prenez votre photo d'identité. La sonnette. L'entrée, 20 pour les membres, 30 euros pour les autres et 100 pour les entreprises. Ça n'a effrayé personne. Die Kontrollen waren scharf. Der Fisch lauert überall und heißt hier Ilp. Klein ist die Post. Les contrôles étaient très, très, très fréquents car les ennemis étaient nombreux et le contrôle s'appelle GILP. Ici, les téléphones sont gérés. C'était un peu le bureau d'échange de données et de communication. Die Hackerbewegung
Les mouvements de hackers sont là pour vous informer et produisent beaucoup de contenu écrit. Ils comprennent la technologie, ils comprennent la structure des bases de données et la structure des données. Ici, vous avez le droit de hacker tout à fait légalement. Le hacker a besoin d'un ordinateur, d'un téléphone et d'une connexion entre les deux. Un coupleur acoustique ou un modem. À partir de ce moment-là, on peut commencer à déplacer des données. Bien sûr, les propriétaires des ordinateurs n'aiment pas forcément quand d'autres personnes se promènent sur leurs appareils, d'où la protection par des mots de passe ou des numéros secrets. Ce qui est aussi un des sujets principaux du Congrès, la sécurité. Nahezu alle Veranstaltungen fanden statt und nahezu alle zu einem anderen Zeitpunkt als angekündigt. Quasiment toutes les conférences ont eu lieu à un autre moment que le moment prévu. Also des Hackens. Wao sagt: Wir sind nicht wie angekündigt fünf Hacker aus sechs Ländern. Nous ne sommes pas, comme annoncé auparavant, cinq hackers venant de quelques pays. On est un petit peu plus. Quand on veut échanger des idées, les idées sont importantes. Des belles phrases comme ça, on aimerait bien les entendre à l'ONU ou à une rencontre parlementaire. Je ne vois pas de raison que ça change. Est-ce qu'il y aurait peut-être un moyen de faire bouger toute la population? Une belle utopie. Donc on a eu une vision de un des fondateurs du club. Alors voilà un nuage de mots des termes qu'on voyait dans les talks, dans la description des talks. Vous pouvez voir que la plupart sont des termes techniques, mais pas mal d'entre eux sont quand même approcher d'une façon poétique ou un peu plus romantique. On peut voir qu'il y a ce mot qu'on trouve dans les talks sur la technique politique, le terme de cauchemar qui est en haut à gauche. Et ce qu'on a regardé, ce qu'on a cherché à voir, c'était au fil des années, comment est-ce que ces termes techniques et ces termes politiques se sont développés et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur l'univers du Chaos Computer Club et sur la scène européenne du hacking. Et une autre question, c'était comment est-ce que cette évolution était liée à des transformations sociétales plus profondes. Par exemple, quel a été l'impact sur ces mots et sur ces tendances de la chute du mur de Berlin. Alors on a choisi un exemple assez évident et important dans notre recherche de mots-clés. C'était le mot-clé NSA. Alors vous pouvez peut-être pas lire les années là, mais on peut voir qu'on en a parlé en 2004 et 2005, et ensuite pas du tout jusqu'à 2013. Et d'un point de vue, de ce que moi je percevais, je pensais qu'on en aurait parlé dans les années précédentes. Tout le monde, en 2013, tout le monde disait, je vous l'avais bien dit, on en parlait depuis longtemps. Et quand on regarde les sujets des présentations au Congrès, on ne voit pas ça du tout. Et comme Maxi Gass l'a dit, ce qu'on veut faire ici, c'est parler des gens et des talks qu'il y a eu.
Et on est intéressé quand même pour trouver d'autres preuves de ça. Peut-être que ce n'était pas visible dans les présentations du Congrès, mais qu'on en parlait ailleurs. Alors, d'où viennent les données qu'on a ? Avant 1992, c'était le plus difficile. On a essayé la Congress Archive sur le site du CCC, mais c'est plus disponible maintenant. Heureusement, la Web Archive avait une copie. Une autre source, c'était l'archive d'Attenschleuder, qui malheureusement n'est plus disponible non plus, mais on a trouvé des PDF scannés qu'on a dû copier à la main. Donc, par exemple, ça, c'est le Datenschleuder de 1984. Il y avait un agenda plus ou moins complet du premier congrès. Donc, ça, c'était plutôt facile à copier. Et il y en avait d'autres. Ça dit aussi, amenez votre pièce d'identité. Et voilà celui-ci de 1991, c'était plus dur à lire, mais toujours possible. Alors bien sûr, il n'y a pas non plus de résumé des conférences, donc ce n'était pas forcément facile de deviner ou de comprendre de quoi les conférences parlaient. Et ensuite, on avait des fichiers comme celui-là, qui est une revue de l'année 1990. On n'a pas pu trouver de Fahrplan ou de planning ou de liste de présentation. Et donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a lu ce résumé et on a essayé de comprendre de quoi parlaient les conférences. Est-ce que c'était une conférence, un atelier, de quoi les gens parlaient, de quel sujet on a parlé. Et on a essayé de construire le Fahrplan à partir de ça. So after 1992, alors, à partir de 1992, on avait déjà cette chose qu'on appelait le World Wide Web, le web, et les Fahrplan, les agendas du Congrès, ont été généralement publiés sur le web en HTML, et du coup, on a pu écrire des scripts pour analyser ces plannings. On tient à préciser qu'aucune expression régulière n'a été blessée pendant la réalisation de cette œuvre. Alors, les premiers plannings étaient en ASCII art avec des balises près dans le HTML. À partir de 2002, on avait des programmes qui étaient lisibles par les machines en ICAL ou en XML. Donc ça, c'est les données les plus structurées qu'on a pu trouver. Ces plannings-là ont d'autres problèmes que ceux qu'on a trouvés avant. Des problèmes d'encodage. Certaines années, il n'y avait pas le résumé complet des présentations. Donc ça, c'était d'autres problèmes qu'on avait quand même à résoudre pour notre analyse. Tout ce qu'on a utilisé pour générer notre dataset, et les datasets qu'on a générés sont disponibles sur ce dépôt Git. Et on espère pouvoir rapidement les mettre disponibles sur Open Science Framework ou d'autres projets qui permettent d'accéder aux données plus facilement. So, as we said, of course, we tried to. Alors, comme on a dit, on essayait de discerner quel talk devrait être considéré technique, quel talk devrait être considéré politique. Et on a dû introduire d'autres catégories pour prendre en compte les autres types d'abstracts plus controversés. Donc on a regardé 2300 présentations dans des fichiers en CSV et on a demandé à trois personnes de les catégoriser. Et on voudrait dire merci à Fumiko qui nous a beaucoup aidé pour travailler sur tous ces talks. Alors, on n'a pas utilisé les catégories qui sont utilisées par les tracks de la conférence. Déjà parce que les catégories ont changé au fur et à mesure des années, mais aussi parce que ces catégories ne sont pas forcément un reflet de la question que nous, on voulait poser. Alors, bien sûr, le débat le plus difficile,
Et comment est-ce qu'on fait la différence entre la technologie et la politique? On peut dire que on est parti du principe que à peu près tout ce qui se passe au Congrès a quelque chose à voir avec la technologie. Donc, la question était, est-ce qu'il y a un impact social? Pas forcément juste les aspects techniques d'une loi en particulier, mais comment est-ce que cette loi impacte la société? Pour quel groupe de personnes? Est-ce que c'est bon ou mauvais? Etc. Alors, on a eu des présentations pour lesquelles on n'avait pas de résumé. Par exemple, il y avait celui-ci qui s'appelait THC++. On ne sait pas de quoi ça parlait, on a nos hypothèses, mais on ne peut pas dire assurément si c'était technique ou politique. Il y a aussi des non-présentations comme le Hacker Jeopardy, des sets de DJ, de la musique, du théâtre, qu'on a aussi exclu de notre dichotomie politique versus technique. Et puis, il y avait aussi des présentations qui étaient un peu controversées. Et ça illustre le fait que la distinction entre politique et ethnique n'est pas forcément facile au Congrès. Par exemple, cette présentation sur les objets sous forme de logiciels, une révolution. Et quand on regarde la présentation, ça a l'air technique, mais quand on lit le résumé, on voit que c'est technique et que ça parle de comment les objets sont faits avec des machines CNC, des imprimantes 3D, etc. Et donc, on peut se dire à partir de là que cette présentation avait quand même une approche politique ou sociétale. Donc, on a des résultats préliminaires. Alors, bien sûr, ça s'est fait à partir du tagging qu'on a eu sur un seul dataset. Et pour avoir plus d'informations, on a rejoint des datasets ensemble. On a trouvé des choses qui étaient cohérentes. On a trouvé, par exemple, que les présentations sont à peu près toujours 50-50, un petit peu plus de technique. Si on regarde surtout notre premier dataset qu'on a fait, ça a l'air un tout petit peu plus technique, mais c'est presque 50-50 entre technique et politique. Et on avait des choses qui étaient incohérentes. Par exemple, en 2007, on peut voir que le nombre de présentations diminue. Et ça, ce n'était pas parce qu'on avait changé de lieu. Le nombre de participants n'a pas changé non plus. On ne sait pas vraiment d'où ça vient. Si vous savez, merci de nous le dire. Si on regarde ici, ça, c'est toutes les présentations au fil des années. Et 87-88, on n'a pas trouvé d'informations du tout. Pas de commentaires, pas de phare plane. Et on a également les choses qu'on a trouvées dans les données. Plus de participants ne veut pas forcément dire plus de talk, plus de présentations. En 89, on voit qu'il y avait pour la première fois moins de talk technique que politique, ce qu'on voit dans ce graphique. Donc, voilà, on voit ici la courbe technique qui passe sous la courbe politique. Donc, il pourrait y avoir une adaptation à ça quand on va merger les tags. Et on voit qu'aujourd'hui, les talks politiques sont en train de remonter. Donc, le bleu, ce sont les talks techniques et le vert sont les talks politiques. Donc, on va vous montrer comment on a décidé de procéder. Donc, on vous demande de nous aider, peut-être améliorer le code, ou alors être volontaire pour catégoriser les talks. Vous pouvez mettre une requête pour juste quelques talks.
Ou alors, vous pouvez vous asseoir et passer 12 heures à peu près à regarder tous les talks et tout, tout analyser. Vous pouvez aussi réécrire et restructurer le code ou la base de données. Aux États-Unis, on a une des plus grandes conférences sur le hacking et ce serait intéressant de savoir comment ils procèdent là-bas. Sinon, on a pas mal de sources de documentation qui sont disponibles. En 1989, il y a aussi mention d'un newspaper qui Donc on avait en 1989 apparemment un journal électronique qui circulait et une légendaire archive, Chaos Archive en 1991. Et pour discuter cette question et continuer cette discussion dans un talk suivant demain à 4 heures de l'après-midi dans la pièce A2, on pourra vous pourrez venir pour discuter avec nous de tous ces points. Comme j'ai dit, on doit voir comment les trois datasets catégorisés peuvent être mergés. Ensuite, compléter les datasets et nettoyer le code. Mais cette idée stupide de diviser les talks en technologie et politique, c'était vraiment juste une première étape pour trouver une catégorie simple. On aimerait passer plus de temps pour vraiment qualifier et quantifier les données. Donc on aimerait créer des groupes pour focuser sur des sujets et créer des utiliser les statistiques pour commencer les discussions. Depend on the ideas about technology that are circulated inside the Congress or how these two categories are. Comment ces deux catégories sont liées les unes aux autres également. Et merci beaucoup. Vous pouvez voir nos adresses mail ici et nos coordonnées. Et les slides sont disponibles également sur notre site, dont vous voyez le lien ici. Et je voudrais demander à l'audience qui a assisté à notre congrès dans les années 80. Ah, il y a quelques personnes ici qui lèvent la main. J'espère vraiment que certains d'entre vous pourront se joindre à notre workshop demain, car on a vraiment très peu d'évidence, de preuves écrites de ces conférences. Merci. Pour des questions, donc vous pouvez aller vers les micros. Oui, merci beaucoup pour ce talk très intéressant. Ma question est, vous avez dit que vous ne voulez pas utiliser les catégories que le Congrès utilise, les catégories du FARPLAN. C'est bien, mais je serais intéressé quand même pour savoir comment est-ce que ces catégories ont évolué au fil du temps. Est-ce que vous avez des observations là-dessus? Réponse. Alors, non, on n'a pas regardé de ce côté-là. Mais ce que je peux en dire, c'est
il y avait potentiellement beaucoup de discussions techniques qui, au final, parlaient des implications sociales ou proposaient une campagne ou parlaient d'un conflit entre des groupes sociaux. Et par exemple, si une conférence est sur la sécurité des firmwares, ça sera automatiquement classé comme un talk technique. Et à l'inverse, on a vu des talks qui étaient sur la track politique du Fireplan et qui en fait étaient animés par des chercheurs en sécurité. Et si par exemple c'est une présentation qui donne simplement une revue de la loi qui est en place sur un sujet donné, sans aucune discussion de l'impact que cette loi a sur les libertés, la vie privée par exemple, pour la population. Dans ce cas, nous, par exemple, on les catégorisait comme techniques. Réponse, merci. Zu ihrer Statistiken zwischen 2004 und 2000, Statistiques entre 2004 et 2007 par rapport au nombre de workshops qui a diminué. Je tenais à préciser que c'était dû au nombre de pièces qui étaient disponibles pour délivrer les workshops.